Bien bonsoir, Mamela, sous Zouk TV, 8 têtes souhait, rendez-vous libre antenne. Nous car remercier ces Mamela qui car ici nous à sous Zouk TV et qu'on l'habitude, hein, les autres car moi à sous Zouk TV, c'est parce que nous car montrer les autres qui m'ont nous car suivre les dossiers à dans le RPRAC, Rassemblement pour la protection des peuples et des ressources afro-caribéennes. Et c'est pour ça, Jodia, nous car continuer à sous des sujets que les autres à connaître, à savoir l'affaire Pinto et puis l'affaire Lumango. Alors, exceptionnellement, Jodia, nous n'y anti-bouleversement dit dans l'émission nous. Nous t'es prévoué d'attraper Hervé Pinto et puis nous, Jodia. Mais qu'on s'en savent là, il sorti hier au souhait. Il fait en conférence de presse bon matin et puis, bon, il fait en émission Jodia dès l'après-midi qui basote toute information nous t'es pour basote. Donc, à dans calendrier, à peut-être il n'y anti mouvement qui fait, mais l'essentiel c'est que zot teni nouvelle Hervé et que zot way bien en dit dans Téléa et toute information hypothé bazot tesa obidjoul qui donc nous kay glissant les ça et nous kay parler plutôt dissément mais là qui poté soutien ba monsieur Hervé Pinto tout long galé du premier jour à Jodia, nous ni des mamans qui décidaient qu'il était représenté en comité de soutien de Hervé Pinto. Et parmi ces mamans là, nous trappons l'eau association, l'eau monde de la société civile martiniquaise. Mais Jodia, nous ni des ma pipi et puis nous, à savoir, Missy Alex Granville, bien bonsoir. Bel bonsoir à toutes les mamans qui a gardé Zouk télé et puis nous la EPIO, nous à disposition autres pour tout ça, autres l'étant. Merci en pile. Donc, c'était Missy Alex Granville qui s'est représentant 4-13-J20, comité 13 janvier 2020. Quand vous avez connaître, vous avez passé en identité. Vous savez que dans société, nous, nous sommes des moments qui décidaient de prendre en charge la question de soutien à tout moment qui a tombé en balle, ça nous a crié plus communément l'injustice coloniale. Nous allons continuer. Et puis, Missy. Ici, à Zotza Connette là, Rodrigue Petito, dit le R, ça vous fait? Belle bonsoir, moi bien, merci, ou même. Moi bien, alors où c'est président, le RPRAC, oui, nous avons viré dit nous ça. Pour la protection des peuples et des ressources afro-caribéennes. C'est ça même. Et donc, effectivement, vous aussi, vous décidez, mener. J'en ai camarades, à savoir voilà. Le 4S, le collectif justice, pour porter appui, pour être là, pour dénoncer l'injustice là que Hervé Pinto est qu'à vivre là. Et puis nous pousser au maximum jusqu'au dernier jour. Et puis voilà, je dis à nous là, si vous pouvez avoir les informations qui m'en est passées, qui m'en est nous vivre ça. Mm-hmm. Nous savons qu'en l'homme, en vie, savent qui m'en est nous vivre ça de l'intérieur. On va profiter d'entrer hein, pour remercier Zouk TV qui chaque fois encore en fond, on prend les mêmes, on recommence. Merci Zouk TV qui a nous. Et puis merci à tout ça qui portait nous appui, puisque au-delà du collectif, nous avons toutes sortes de monde, la population, valide ou invalide, femme ou homme. Qui trouvait qu'il y a concerné, qui trouvait qu'il y a touché, qui reconnaît qu'il y a dans l'injustice là, et qui soutiennent nous par toutes sortes de moyens, puisque ce n'est pas forcément les gens que nous avons du bout en l'arrière, qui simplement les renforts, ou ni les renforts qu'à distance aussi. C'est ça. Bon, mais qui sur la métropole, les îles d'à côté, qui vivent les mêmes douleurs que nous. Donc, au soir, nous avons profité de remercier tout là, et puis par les témoignages qui passent. C'est vrai, et on y a tout à fait raison. Et nous n'y en maman qui dans le monde du handicap que mon Katchen particulièrement a salué au Soya, c'est monsieur Michael Pinville, que nous toutes connaissons. Hein. Mm-hmm. Et Michael Pinville, que nous kawais, et puis maman, d'ailleurs, que mon Katchen a salué chapeau bien bas aussi, qui n'a l'habitude, et ben nous kawais, c'est tant à venir, on dit dans combat. Nous savons, le combat, et c'est le monde du handicap. Michael, effectivement, qui a présenté anti-handicap physique. Mais ça n'a pas qu'à faire paix. Michael nous a ouais bol à CTM, nous t'es qu'à également militer pour monsieur Pinto, nous avons devant tribunal, nous avons faute France. Enfin, Michael, d'ailleurs, nous avons aussi à Zouk TV, donc Michael Pinville, et puis maman, nous avons souhaité autant une belle soirée, et puis nous avons salué les autres, bien belle, bien fort. Nous avons continué en table, et puis monsieur Maurice Lumango, bien bonsoir. Bien bonsoir, Aude. Moi, content, wow. Moi aussi. Très bien. Alors, Maurice Lumango, que nous n'y t'en suivons, hein, dans une des émissions aussi. Vous savez, nous, le RPRAC, grâce à Emmanuel Granier et puis Manuela de la direction de Zouk TV, il y a qu'à permettre nous annoncer des dossiers
qui sont si bandits dans le pays, mais ça qui plie Bella, c'est que yoka quitté antenne en bas nous pour nous venir progressivement porter peuple-là, tout avancer, et au Prague, Moïse, 4-13, qui arrivait trappé dans des dossiers. Donc Moïse nous a rappelé que où sont Maman et Saint-Anne, et que où aussi, qu'on est en Vépinto, qui arrivait joindre un problème tête, et nous a plusieurs fois présenté problème là, mais nous n'y étions avancés. Et puis aujourd'hui, nous n'y Malik, Malsa. Bel bonsoir, Aude, bel bonsoir tout le monde. Bel bonsoir, Malik. Alors, nous presse envie de dire qu'il n'y a pas qu'à aller sans l'autre à présent, puisque. Et puis, grand côté petit, petit côté grand, parce que finalement, il y a qu'à soutenir l'autre, il y a qu'à coûter l'autre. Et puis, c'est grâce à Conseil Malik, notamment en agroécologie, même si vous avez une boule expérience, mais oui, nous avons senti une transmission dans les deux sens qui est allé. Jeune homme, il y a une compétence extraordinaire. Je l'ai découvert à travers le combat là. Je dis ça, je ne suis pas quelqu'un qui a l'habitude de frapper tout le monde, mais je dis comme ça que les jeunes m'ont dit comme ça en pays, ils sont divini. Ils sont divini et pays, ils sont divini. Et puis, c'est très important à dire. Parce qu'ils ont maîtrisé l'art, de la terre, l'art de la production, l'art de la transformation agricole, c'est un bagage extraordinaire. Je découvert Malik sur un angle extraordinaire. De par ces difficultés-là que je traversées, ailleurs, nous faisons une réunion. Gérard Cambon a bien mon souhait, c'est là qu'il nous fait tirer une autre, nous serons reconnus dans les places de nos parents. Mais depuis nous vous avons utilisé l'hôtel où nous avons utilisé pour nous prendre un cours et puis en même temps pour nous dire ça, nous n'y a dit non. Et effectivement, nous sommes obligés de rencontrer nous. Malik Kadjoubate toute la journée, moi-même Kadjoubate toute la journée. Mm-hmm. Et c'est nous relativement tard hier soir, il devait être 20h après 20h. Et puis, parce que nous tenions, nous, dans la continuité, et puis, parce que nous pas anti-Milon, qu'on savait, mais nous, quand il fallait faire Milon autrement, il fallait faire l'agriculture autrement. Et hier, on nous clarifier un certain nombre de points. Bon matin, moi, tenais à téléphoner ses responsables à Pabo, la France. Très, très bonheur. Et, bon. Il n'y a espoir que nous regardons espoir, effectivement, d'y convaincre sous une certaine vision de jeu qui nous n'y non seulement pour la tête, nous, mais pour le pays. Merci. Très bien, merci en pile, Moïse. Et sans plus tarder, nous allons continuer, et puis parole-nous, parce que même si vous avez attrapé propre problème, vous faites une conférence de presse en début, si maintenant, et ça t'a frappé moins, mais vous pas hésité en seule seconde. Ni anti-songer, bah, Hervé Pinto. Donc, c'est naturellement que mon commandeur, oh, est-ce qu'on y a un message? Parce que là, c'est en conférence de presse, mais là, on est un plus monde qui a gardé. Moi, qui a pensé qu'on doit ni anti-message, bah, Hervé. Moi, super content de dire, ouais, Hervé, comment dire, dans la conférence de presse là, sorti un trou, ouais, t'es metté là. Hervé, c'est pas un monde qui fait plus rester un trou. Hervé, c'est un monde qui fait pour rester libre en pays. Bon. Eh bien, un monde qui a contesté la liberté, là, nous là pour nous empêcher de contester. Nous, et contester Hervé, même la liberté, là, il les contesté. Ça m'a cadeau, vieux frère. Très sincèrement. Je suis venu porter au soutien. Moi, j'ai fait une manifestation à Bocaillou. Alors, Moïse, excusez-moi, si vous me manquez, de garder la caméra, là. Oui, d'accord. Comme ça, et parce qu'il doit être gardé. Ouais. Donc, pour y bien savoir, c'est Bayou qui a parlé. Non, on a parlé, ben, camarade là, on a dit comme ça que fallait nous solidaires à dans combattre. Hein. C'est-à-dire, quel que soit degré, quel que soit 600 mètres carrés, quel que soit 600 centimètres carrés, que ce soit 10, 20, 100 hectares, fallait nous aujourd'hui à terre, nous, faut pas nous perdre 1 millimètre carré, ça arrive ni nous. Parce que nous avons besoin pour nous continuer à vivre naturellement, et nous avons besoin aussi pour nous continuer à nourrir. Nourrir. Il ne faut pas nous laisser nous spolier ça qui est à nous, tout simplement par bon plaisir ou bien par plaisir d'être là pour nous. Là, quoi. Bon, voilà, ça m'a été dit. Moi, je l'ai dit, Hervé, bon, je pense que nous avons l'occasion de changer à ce problème, nous, ici à même, petit pas. Et puis, porter plus d'informations, ça t'est prévu. Ça caille pour l'autre coup. Fausse, vraiment. Très bien. Malik, à Soussa, ça vous pédit nous. Ben, Thibouin. Est-ce que tu es surpris? Parce que c'est vrai que nous pas.
ou assou en position qui t'a ou ni travail ou qui t'a. D'ailleurs, moi, quoi, toute la semaine passée, où t'es assou la foire expo, par côté la Dillon. Donc, c'est vrai qu'il y a une loi information qui doit passer, mais en bas chalette à la qui t'es là, moi, qui a pensé que t'es ni bon travail. Et, mais quand même, autant de parler de l'affaire Pinto, dans quelle position on y en laisse ça? Évidemment. Alors, moi, pas tant la foire expo, mais plutôt par côté Rivière Pilote. Oui, la foire de Rivière Pilote. Semaine avant. D'ailleurs, c'était un très belle foire. Hein, on peut d'ailleurs féliciter l'organisateur. Tant est belle, et puis t'es ni bon type de monde là. Je crois que les gens, il est producteur et transformateur. En tout cas, tout ça qui participe, trouver contre eux. Bon, mon maille. Et c'est vrai que c'est des fois encouragé. C'est une très belle foire. Donc, mes Rivières Pilotes et tout ça qui est organisé, un bel rouleau, bravo, Bayou. On l'a fait bientôt, bien sûr, on va croire que c'est un affaire qui peut concerner toute Martinique. Hein, des spoliations comme ça, c'est des situations qui sont excessivement graves. Quoi. Donc, nous ne pouvons pas sentir qu'on nous concerne de près ou de loin par une situation comme ça. Et Vini, en plus, donc, a fait, a fait Moïse là, mais plein d'autres affaires. Surtout parce que les nous attendent quantité de maille qui ni problème t'es qu'on s'en pays a nous obliger ni en assez véatif en laisse et senti qu'on nous concerné. Donc Pinto en trouable, il se dit hein, il pas pour trouver quoi il a, au contraire c'est souvent ça qui l'école blanc qui t'es pour trouver quoi yo en dedans. Et donc nous ka wè comment il y a en justice, en injustice plutôt en PIA, il faut que nous continuions goumen coûte que coûte. Donc, allons tout ça. Donc, nous avons salué les camarades là, dit Tchembiroid, quoi. De toute façon, nous là, et puis, même si nous pas toujours en les terrains, mais en pensée, en action, et allant tout ça, il y a un travail qui a fait pour que l'injustice foncière en général, en les Martiniques, arrêtée. C'est ça. Mon cari merci au Malik, mon cap pensé Hervé que autant et ça c'est mon mail là t'autre qui t'en joignent en tout cas pour autre parler, ça c'est certain. D'ailleurs, il y a l'air également et il faut de nous qu'il semblait toutes ces moments là qui concernaient et pour nous payer et c'est avancé. Alors là même mon cas annoncé autres que minimum comité soutien la famille Egoui qui prend contact et puis moi. Et Manny Lonnet y annonce les autres que jeudi 2 mai qui a venu, jeudi 2 mai qui a venu, eh bien, nous avons reçu la famille Aiguille. Et puis, en l'autre moment, par côté la vieille pilote marin aussi, mon Sérillon qui a joint aussi un problème tête. Mais qui a retrouvé quoi tout seul aussi, un grand madame qui a retrouvé quoi tout seul, et il criait en télé hier pour demander yo quittant et qu'il peut passer pour exposer problème. Et donc, maman, nous savent que autres plaisir qui concernait, qui a senti quoi yo abandonné en disant société noire, peut-être papa avocat, enfin, moi, pas savent qui ça, c'est, ben, il m'en peut des autres moments là. Nous, ni ça qui a crié habitation, assurance habitation, les autres capés est bien souvent en assurance pour qu'ils autres, et bien en disant chaque assurance habitation, il faut que les autres savent ça pour tout ça qui a concerné les litiges habitation foncier, tes autres qui t'azotes, ni ça, il y a créé la protection juridique, et bien souvent, ils ont ni tendance à abandonner parce que les autres qui ont dit encore, ils ont dit, bon, avocat, qui a demandé moi l'argent, mais pourquoi ni l'argent, parce que les autres pas, ni les autres pas, ça, ils ont quitté ça tomber, puis malheureusement, des agoulou grand fal. Qu'a venu Sévicoyo, mais en disant en contrat d'assurance habitation, moi qui a invité chaque moment là à prendre en assurance habitation. Comme ça, les autres cas joignent des problèmes, les autres paient la même, fait, excusez-moi, on est en moussignon, les autres paient la même, fait en sorte à ce que les autres paient en avance de fonds, et c'est ça la protection juridique qu'a prévoit, que les autres paient en avance de fonds pour payer avocat, pour instruire ces dossiers-là. Donc c'est ça, mon télé dit autres. Et donc, je vais rappeler les autres que le jeudi 2 mai, nous avons la famille Egoui, Manserillon, qui est venue exposer nous. Parce que c'est vrai que l'affaire Hervé Pinto est l'affaire L'arbre qui cache la forêt. Et nous avons pensé le AirPrac, que même si nous soutiennent Hervé en pile, mais le président a décidé qu'il faut que nous écoutions tout le monde. Et d'ailleurs, nous n'avons pas même ni temps à aller demander ces mounans, le R, puisque c'est ces mounans qui a créé. Il est venu vers nous, puisque, bon, actuellement, le monde qui a mangé sur les réseaux, puisque j'accompagne que
c'est pas la télé qui a la vérité. Je quand même dit le contraire, mais les médias nous pour parler, laver quoi yo, mettre quoi yo, honnête et puis franc, pour dire peuple là ça va aller. Alors peut-être qu'il va penser que peuple là, c'est des timons, mais il n'est pas apte à écouter la vérité. Peut-être qu'il va penser que peuple là, pas assez intelligent pour ça aller. Donc bon, il y a une manipulation, mais peuple là, je comprends donc que quand moi je suis sur les réseaux pour attraper information en temps et en heure, et puis véracité, hein, vérité, à quoi. Donc nous, ni de plus en plus de monde qui vient vers nous, qu'à joindre nous, donc nous victimes du succès nous, parce que c'est compliqué, mais il faut nous faire entrer. Mais oui, nous parlons de chercher eux, et puis l'affaire Pinto qui est devenue l'affaire du peuple, ça a permis à beaucoup de personnes de se dire, eh bien, je ne suis pas seul dans le cas. Parce que nous, nous sommes en train de nous montrer. Nous ne pouvons pas les problèmes, nous pudiquons les problèmes, nous. C'est problème le peuple entier, nous pudiquons les problèmes, nous. C'est là qu'elle a vraiment arrivé à un stade. Impossible que nous ne parlions de ça. Insoutenable, merci beaucoup. Donc, on est pudique. Mais le cas RV Pinto a permis à beaucoup de personnes de comprendre qu'ils ne sont pas seuls dans le cas, qu'ils ne sont pas des exceptions, loin de là, et que justement, qu'il ne faut surtout pas rester dans le silence, quand bien même tous les recours judiciaires ont été épuisés. Puisque c'est là que nous, le RPAC, nous avons intervenu, parce que une des personnes qui a pensé que moins de bien nous sommes. Nous avons sauté en l'air et nous avons fait un bordel, c'est pas ça du tout. Il faut bien comprendre que quand le AirPrac, tout comme je pense, le 413, arrive, c'est que ceux qui font appel à nous ont épuisé tous les moyens recours possibles, et fort souvent ils ont épuisé les moyens financiers, puisque ils n'ont pas ni, mais il faut y payer. Parce qu'avant, ils ont bon réponse, il faut sauter en l'argent. Et à ce moment-là, on rentre en jeu. Et forcément, nous avons des moyens qui ne sont pas conventionnels parce que. On a déjà compris, et Hervé Pinto a mis ça en grand, l'affaire Hervé Pinto, on a compris qu'il y a un déni de justice. Qu'on a certaines personnes qui sont là pour continuer à appuyer ceux qui ont et étouffer ceux qui n'ont pas. Et encore prendre le peu de ceux qui n'en ont pas. Ouais. Donc, nous, on arrive avec aucune intention de croire en leur mensonge, la vente des rêves, et puis parce qu'on a vu quand même pendant le procès d'Hervé au premier jour, puisque au deuxième jour, il ne s'est pas présenté avec raison. Il ne s'est pas présenté avec raison devant cette parodie de justice. On a vu quand même un juge qui s'appliquait à continuer à dire à Hervé, mais pourquoi vous n'avez pas fait ci? Pourquoi vous n'avez pas fait ça? Et ça fallait faire ci, et ça fallait faire ça. Alors qu'on avait un homme en perte de liberté sans raison, puisqu'il a démontré trois fois, trois juges différents, qu'il n'avait pas violé les conditions qu'on lui avait imposées, avec preuve à l'appui, et les trois juges l'ont quand même renvoyé en prison. Donc, il a vite compris que ça ne servait à rien de parler avec eux. Mais on a vu un juge s'évertuer à dire, mais vous auriez dû faire ci, et pourquoi vous n'avez pas fait ça? Et vous auriez dû faire ci. Alors, devant un homme qui disait, ça fait bientôt 26 ans que j'épuise tous les recours. C'est ça. Donc, et poliment. Poliment. Et demandant au juge, qu'aurais-je pu faire de plus? C'est ça. Apparemment, ce qu'il aurait dû faire de plus, c'est accepter d'aller en prison sans rien dire. C'est ça, c'est donc, ça. Donc là, il a été en prison. Et puis, sa souffrance, son combat, son injustice est devenue criant aux yeux de tout le monde. Et aujourd'hui, eh bien, on a vu que, chose rare, hein, parce qu'on n'a pas tant payé à toutes les, mais si je me trompe, on me dira, on a vu chose rare, des professions qui, fort souvent, restent quand même dans leur silence ou sortent pour les grands événements en la personne ou leurs affaires personnelles. Ou leurs affaires personnelles en la personne des dockers. On les a quand même vus sortir une note où ils disaient qu'ils sont très attentifs à l'affaire Hervé Pinto et qu'eux-mêmes sollicitent sa mise en liberté parce que sa place n'est pas en prison. Donc ça montre bien que ça a touché toutes les couches de la population, tout un chacun, et que lorsque la justice n'existe plus, eh bien, la désobéissance civile devient limite obligatoire parce que dans le cas d'Hervé, un homme injustement mis en prison qui déclenche une grève de la faim parce qu'il voit qu'on ne l'écoute pas, eh bien, on est en train d'assister à un crime que commet la police de justice. Et si on ne fait rien, eh bien, on est dans le non-assistance à personne en danger. C'est ça. Donc, forcément, tout le monde s'est rallié à la cause. Et puis, voilà, donc... personnellement, je trouve toujours ça... quand on parle dans des combats comme ça, je n'y vais pas de gaieté de cœur, pas dans le sens de ne pas vouloir aider. C'est que j'ai toujours une tristesse en moi de voir que pourquoi nous sommes obligés d'arriver jusque-là pour des choses qui sont logiques et des choses qui sont qu'on n'a pas demandé. Il n'a pas supplié sa liberté et encore moins à se justifier pourquoi il demande à des gens de partir sur ces terres. C'est quand même un truc fou, ça. Et
j'ai vu un système devant moi qui est sourd, aveugle et muet, mais pas pour tout le monde, pour le peuple martiniquais. Effectivement. Parce que pour le peuple étranger, tout va bien. Mais pour le peuple martiniquais, il y a toujours une bonne raison de nous oppresser. C'est tellement vrai ce que tu dis. D'ailleurs, je me souviens une phrase d'Hervé qui a résonné dans ma tête. C'est avec tout, vous me demandez de ce que je devais faire ou ce que j'aurais dû faire, mais je vous ai dit que j'ai tout fait, j'ai tout essuyé. Et j'ai fini par perdre confiance en la justice. Donc, j'ai retenu la perte de confiance en la justice, mais j'ai en plus retenu, suis-je toujours sous le code de l'indigénat ou le code noir ? Et c'est très révélateur, au final, de cette perception que nous sommes, nous, Martiniquais, obligés d'avoir sur cette justice coloniale, puisque... On en est à se demander si on n'est pas en train de rétrograder dans ce qu'on appelait soi-disant les droits de l'homme, les droits universels. Donc, nous, d'autant plus, puisque on va dire l'homme africain d'Afrique, du continent africain actuel, n'est pas un Français. Donc, on aurait pu se dire, nous, nous sommes Français, même si nous sommes d'ascendance africaine, mais nous sommes Français. Donc, on peut estimer... que nous bénéficierons des mêmes droits que les Français de France. Et pourtant, on a la confirmation aujourd'hui, en 2024, plus de 170 ans après l'abolition de l'esclavage, un contribuable martiniquais, un Martiniquais qui a le sentiment d'être régi toujours sous le code noir ou sous le code de l'indigénat. C'était énorme. Donc on va revenir un petit moment sur tout ce qui nous a marqué pendant le procès, sur la posture de la procureure, la posture des deux avocats d'ailleurs de la partie civile elle-même qui avait un comportement en début de journée et qui a disparu au deuxième jour, parce que nous sommes quand même les témoins. Nous sommes les témoins et nous sommes témoins aussi bien des actes de la partie civile sur les réseaux que des actes de Hervé Pinto pour conquérir, reconquérir en tout cas ces terres. Je te remercie pour cette introduction qui est assez limpide. 4L Givin, Alex Granville. Alors, question terre d'un pays de Martinique, c'est une question fondoc. Et mon content, la famille gratte. Rivé pendant 26 l'année, tienne tête basse. Si pourtant fait, persuadé, il est toujours crasé, porte qui en tête. Mais la famille gratte, le père, après le fils Hervé, ils ont engagé combat, et puis ils ont fait démonstration que nous pouvons résister et que nous pouvons gagner. Là, nous avons regardé, qui manier problème de la traité. Un problème qui est simple, que nous avons tous les jours qu'à faire. Si vous construisez un intérêt en monde, et particulièrement les mondes qui ont construit un terrain, l'État, l'ONF, vous avez décidé, vous avez crasé qu'elle. Absolument. Vous avez crasé qu'elle, monsieur Nomis là, au François. Monsieur Nomis François, oui. Vous avez crasé qu'elle, nom là. Un malheureux qui tenait un cahier depuis passé 40 l'année. Alors, prescription trentenaire. Alors, nous avons regardé, loi que nous avons fait en l'élément matinitière, laissez qu'on paye des notables, des avocats, des juges, des gendarmes, nous avons maté bout pour bout. Et, loi a disparu. Et on veut faire démonstration, et puis ténacité, et puis engagement. Il n'a pas qu'à virer tête. Et c'est là qu'il oblige les responsables de la justice, qui se juge, qui se protire, qui se les volait, il oblige de démasquer et montrer que c'est dans la complicité. Ce n'est pas une complicité de monde n'importe qui manière, c'est une complicité de monde d'un couler la peau, c'est une complicité de monde d'une classe sociale qui les préserve et privilégie. Et en dit dans la réalité à Yotchebeya, le peuple matinique l'a montré une capacité à sembler, et puis les nous garder, nous sembler, nous avons dit à les bons maïs qui n'ont pas ni toute capacité physique, les bons maïs qui n'ont pas ni toute capacité intellectuelle, oui. Les artistes, les théâtres, tout le monde,
les organisations syndicales, les associations qui gagoument, et les nous river boire pour nous comme ça, retirer les juges, t'es obligé de battre derrière parce que senti, il tenait un mouvement fondoc qui t'es levé là. Et les nous gars des premiers jours procès, manière où t'es carré, et manière où t'es fait l'estomac. Les ouais deuxième jour, ben la maté et puis détermination, Charles qui tenait en dedans les bombes qui a porté soutien, manière et on t'es dit ça, manière ouais les différentes couches tous les jours tenir il y en a plus. Les deux qui peuvent entrer, les deux qui disent qu'ils peuvent entrer, d'autres artistes peuvent entrer, ils disent qu'ils entrer. Ils sont obligés de trouver quand ils sont dans une situation. Et soit ils ont fait face, soit ils ont battu derrière. Là, ils ont battu derrière, ils ont dit Hervé. Mais nous ne pouvons pas finir avec eux. Il faut qu'ils battent derrière, continuent de battre derrière pour la famille, les héritiers gratte, récupérer les 16 hectares Félix Dédé gratte qui étaient baillés. Et l'État. Justice li, et puis les gens qui portent la responsabilité de soutirer les volets, ils ont aidé à gérer le problème par rapport à ça et à appliquer la loi. Les textes qui ont dit dans la loi, qui a dit si vous propriétaire fonds, vous propriétaire, tout ça qui est en l'air. Alors si vous soutirez des gens à construire en l'air, qui papa yo, yo ni ka régler problème yo et puis c'est bon ta mais Hervé pa pou ni pièce problème la famille les héritiers grat pa pou ni pièce problème pour récupérer ta yo. Et c'est pour ça nous ka dit les moments maintenir ça c'était en lisson ban parce effectivement 14 gars tourner dedans pays matnik là tous les mois nous ka là dans commune nous ka parler et puis des moun et nous ka joindre tout long galé des moun oui tout long galé des moun. Nous avons un petit balayeuse qui a venu. Est-ce que je télé parle pas de et il a dit nous, bon, mon enfant, moi, qui fait un hold-up dans le terrain, il a quitté nous. Il y a un bouc qui est venu là, mais c'est sorti, et il est sorti. Il a payé. Il a pris des terres. Et donc, presque faut dire toutes les communes matiniques, c'est un système qu'ils ont mis en place pour chaque côté, réduire les terres matiniques. Et nous pas ni pièce voix conséquente et puis forte qui a pris des dispositions pour empêcher ça. Dernier exemple, c'est, je disais, à l'été, nous n'y démons maïs, nous t'es jeunes démons maïs, les lycées agricoles. Est-ce que nous pouvons comprendre que des démons maïs, les lycées agricoles, qui trappent un diplôme, qui a organisé quoi pour dire, nous c'est le travail, mais nous pas ni t'es. Nous avons cherché qui des gens qui peignent des terres et puis qui peuvent mettre à disposition nous. Est-il les hectares et hectares et centaines d'hectares qui en friche matinique? C'est ça. Que vous pour prendre et puis mettre à disposition ces moments-là pour vous pouvez nourrir peuple matinique. La loi n'a pas qu'à appliquer. La loi a sous les terres en friche. Et vous pouvez quitter des jeunes moments matiniques, choc en bloc, passionnés en volonté, en détermination de vivre de travail. Yo. Qui donc c'est un système que vous pouvez organiser comme ça. Et le mot aujourd'hui à communiquer la CTM pour. On a dit, mais c'est il y aura aller à contre-sens de tout ça, peuple a fait. Peuple a gommé pour réapproprier quoi, les terres matiniques. La CTM a dit, il y a vendre les terres qui propriété conseil général, bas des mondes. Il n'a pas même prendre des dispositions pour dire, il y a installé des jeunes agriculteurs dans les terres qui paient être. Agricole qui peut être mécanisable, mais qui peut permettre de produire parce que il n'y a pas ni chlordécone, parce que il n'y a pas ni pesticides. Il a dit, il y a fait un appel d'offre pour vendre. Et il a dit, ce n'est pas possible. Et là, nous avons mis à gommer contre décision, parce que décision n'a pas qu'à prendre en compte un problème fondamental, nécessité qu'il y ait de trouver des terres pour installer des jeunes agriculteurs. Nécessité qui n'est de préserver le patrimoine foncier matinique pour le pays à peut développer quoi. Et au lieu de ça, il va vendre.
Alors, l'exo, ça coupe parole, ça c'est un baguette qui passait aujourd'hui en plénière. Oui, tu es en plénière aujourd'hui. Alors, mal écouté tant de parler de ça, parce que vous concernez, ou c'est un, pas, tu n'es plus un jeune agriculteur non plus, mais tu es très au fait de ces questions-là. Est-ce que tu as suivi un petit peu ce sujet? Est-ce qu'on t'avait annoncé peut-être la couleur Alors, moi, quand vous ne m'avez pas du tout au courant dit ça, et que moi, quand trouvé que c'est une information même très grave, quoi, compte tenu donc, dit tout ça au exposé, camarade. Hein, donc, au contraire, d'après moi, c'est le contraire que j'ai pour faire. C'est dit, ouais, comment il y a eu un pays semblé terre dans la banque de terre, d'ailleurs, que j'ai eu géré. Et pour mettre, parce que moi, j'attends quand même ça, j'ai eu annoncé que j'ai allé vers une autosuffisance alimentaire, mais ou pas autosuffisance alimentaire, ça, santé. Oui. Donc, on y était, ou pas vendre, bon, moi, j'ai quand même très surpris d'un conseil, j'ai trouvé c'est excessivement grave. Si m'a rapproché quand même. Alors, l'ex, peut-être une Bon, les dit, on dit dans les années 80. 81. Oui, les agriculteurs, les jeunes agriculteurs, et puis des organisations, l'OPAM, la DEVAMAR, t'es organisé des occupations de terre qui permettent de déboucher en les créations en banque que le conseil régional t'es mis devant pour récupérer ces terres et mettre à disposition les agriculteurs. Qui donc, il y a une expérience en disant ça. Qui te peut permettre ces messieurs, à piller en laissant, et puis de dire, puisque vous avez un patrimoine, vous pouvez regarder ça, vous pouvez faire, et puis mettre à disposition, parce que non seulement il y a terre, mais il y a en plus des moments qui cachent ces terres pour installer quoi. Je vais confirmer ça. D'ailleurs, mon anti-salutation a fait mon Jean. Pas côté Mon Rouge, qui a planté et y a sous la Providence. Et moi, j'ai songé que mon Jean, t'es qu'a fait partie de ces jeunes agricultrices-là qui t'es qu'a goumé pour récupérer terre en friche. Et que pour ça, Marie, t'es pris un coup de fusil en jambe. Ouais. Si autres qu'a changé histoire ta. Donc, mon anti-salutation pour mon Jean. Le héros, les ni en réaction, laisse ça. Oui. Je me trouve belle à la télé. Hein. Oui, oui. Vous me direz ça au téléphone tout à l'heure. Pas qu'à la télé. M'entendre ça, Alexia, et ça, Malik Dia, mais manquer à la contresens de ça, autre cas là, moi, je ne m'en pas étonné en seule seconde. Dit ça la septième gavet. Pour qui ça, autre choqué, puisque vous êtes bien, ouais, que les Noirs, dit-nous, le peuple, les grands madames, des handicapés, des grands noms, des petits mamelles. Les nous allons devant la CTMBRV, ces gendarmes, ils ouvrent, ils gazent nous. Des gens qui sont peut-être maman, ils gazent nous copieusement. Et c'est la question font... de terre. Vous êtes qu'à mettre devant. Ben oui. Les nous venons deuxième fois à la CTM. Écoute, là, nous sommes plus persévérants, nous arrivons quand même à approcher de la porte là. C'était limite, il faudrait te supplier pour te recevoir le peuple alors que la septième, c'est le peuple, c'est à nous ça. Là, ils ont demandé de faire un vote pour ça parce que ils ont recevoir des gens. Le peuple, pour te tendre ça, le peuple t'en a dit massivement et surtout le PPM. Votez non. Personne ne va aller recevoir le peuple. Donc, à quel moment vous avez pensé en seule seconde que vous avez fait une loi pour que bah, le peuple planté? On aurait été sérieux, mais c'est. Moi, choqué que vous êtes choqué. Au vu de ça que nous finissons à vivre là, et puis l'histoire est en c'est à nous d'y comprendre que nous n'y avons pas de problème d'y croire. Que des malfaisants comme ça, des maudits comme ça, en tête de pays, qui ont changé de religion pour aimer nous, pas que jamais aimer nous. Ils ont mes poches, ils ont mes situations, et ça ne peut pas jamais changer. Donc, moi, choqué. Dit ouais que après ça nous vivons pendant un mois et un semaine. Et puis on fait parce que nous vivons les pieds. Et on fait de la jeune, de la jalousie. Hein. Moi choqué, dit ouais que vous êtes choqué, dit ouais fonctionnement, c'est mon tas. Des mouns qui voyaient gendarmes gazer grand-maman zot, maman zot et zot. Moi choqué. Ça vrai le R. Moïse, mon capitaine. Moi l'ai dit en seule petite parole là sur ça. Oui. Parce que c'est jeune maman état là qui cachait chez terre. Malik et puis moi nous y souvoyons au Saint-Anna sous domaine Caritan, il doit tenir. Un mois, un an et demi, Malik, voire deux ans. Une belle année. Une belle année, etc. Et moi, je reste en contact avec Pio. Et moi, je rejoins le mardi qui va suivre
exposition à sous rivière pilote la fois rivière pilote nous faisons réunion et puis et puis ça là-bas qui m'a yoyé qui m'a m'a dit ça m'a ressenti détressé maman elle a depuis en a dit même moi je n'ai eu organisé quoi en collectif en collectif en commerce etc les collectifs des agriculteurs sans terre formés sans terre et d'ailleurs ils ont fait anti émission en émission quoi à la radio ou bien effectivement la télé on passe avec exactement avant rivière pilote mais ils ont fait en exposition extraordinaire rivière pilote et Malik m'a félicité les autres à ou fini tout à dit tout à l'heure à sans dévier l'exposition rivière pilote là c'est en réussite parce que il y a à peu près 20 ans m'a allé. Et puis un agriculteur, M. Mourilgui, qui est décédé, fait Mourilgui à l'exposition à Rivière Pilote. Effectivement, chaque année, je constate que ces jeunes mamans qui sont entrés en dynamique là, et puis aussi les agriculteurs un peu plus âgés qui suivent, effort malgré tout qu'ils ont fait. Et au niveau de la transformation, et au niveau effectivement de la projection de ces jeunes mamans là dans la réalité. Parce que dans ces jeunes mamans, il y a une des mamans qui est en France, qui est en France et qui est entrée, venue former ici. Enfin, les autres savent ça aussi. Il y a d'autres 40. Il y a d'autres. Mais les deux comme ça qui entrent et qui n'y les jeunes agriculteurs sans terre, il y a d'autres qui ont des métiers en France, ils ont été assez de vivre en France, ils ont entré, ils ont entré là, c'est un peu tout le monde, il y a tout le monde qui est dans la bagaille. Ils n'ont pas qu'à trouver terre pour le travail. Bon, ça, ils ont décidé de faire. Moi, j'ai puis une série de mamans, puisque. Camarade Alex pour Granville, tu as parlé, dit les combats, ces mamans l'ont mené pour effectivement pour organiser Koyo, génération monde un petit peu qu'on le air, hein, pour qui gardait d'ailleurs des terres sur lesquelles il y a quatre travailles. Il n'y a pas gardé toute terre, mais il y a fait des organisations assez fortes et puis c'est les années là. Et puis 70, 80, etc. Il est arrivé une des jeunes mamans, que ce soit au sud, au nord, des mamans qui sont toujours en possession de cet état qui travaille. Et ces jeunes mamans-là, là, ils font tout. Je ne peux pas dire ni raison, ni tort à ce manière qu'ils ont pensé. Ils ont pensé que la politique ne peut pas faire rien. Et certains mondes qui ont dit comme ça, c'est des associations qui ont empêché de nous battre de terre. C'est un politique qui a dit, c'est les associations parce que je les protéger Magouave, je les protéger ci, je les protéger ci. Le papa hiver, c'est-à-dire c'est... L'écologie, le même pour l'écologie. Voilà. Bravo, alors, c'est magnifique. Alors, moi, le mec a dit ça, je dis comme ça. Et je décide, je dis jour, de mener propre combat. Je décide de mener propre combat. Effectivement, en mettant de côté tout ça qui existait, pour mener combat. Mais c'est un combat qui caille. Parce qu'il n'y a pas ni confiance en personne. Il n'y a pas ni confiance en personne. Je n'ai pas dit qu'il n'y a ni raison, ni tort. Mais mi réalité des jeunes mamans, 25 ans, 30 ans, qui vivaient là, qui vivaient tellement pas ni confiance, j'ai décidé. Je souhaite beaucoup de réussite. Mais ce sera très, très difficile pour eux. De mener combat. Je n'ai pas dit que ce sera très, très difficile parce que c'est dans des types d'organisations comme ça qui a toujours existé, qui nous fait garder. Regardez, où tu as dit, Aléa. Comportement actuellement à la CTM par rapport. Je ne m'a pas écouté, je ne m'ai pas dit ça. Je sais de quoi ça va dire. Bon, je m'écoute, je suis entré là, je m'écoute à soi en radio, juste une des. Je parlé de la canne, en fin de réunion, je parlé de la canne. Mais comment tu es affairé, je m'écoute directeur de la Chambre d'agriculture, là, tu as parlé, à sur les problématiques de la canne. Je ne pas attendre ça au fini de dire. Mais si effectivement ça vous dit. Je ne peux pas contester, mais ça grave, ça super grave, si jamais effectivement, ou qu'a vendu la collectivité déjà pour dire qu'on s'accueille, ou qu'a mis à disposition. Alors aujourd'hui, nous avons une tellement terre en friche, une tellement terre effectivement, et c'est un changement fondamental de paradigme qu'il faut ni pour effectivement sortir dans ces cas de débat état nuit. Ce n'est pas dans des détails comme ça qu'elle nous est arrivée. Il faut poser le problème de fond, et il faut que les politiques aient du slip. Pour pouvoir modérer l'engagement pour effectivement nous y va sortir ces jeunes mamans là dans ces difficultés là pays dans ces difficultés là et c'est tout ben comme d'habitude hein, c'est moi qui n'ai la possibilité d'y dire ça m'en y a dit mais manque à des authentiques encore une fois hein, Jean-Christophe Bouvier Serge Letchimy Monsieur Salibert,
ben encore une fois, Zotwe Kimone, Zotka brillé par le fait que, depuis ces questions têtes, depuis ces questions justice, eh bien, ben là, pas de gêne sens. Hein. Donc, nous savons nous ni terre qui en friche, nous savons nous ni des banques de terre qui c'est l'impôt nous qui garant dit entretien yo. Ne serait-ce que le fait de quitter comme ça, faut prendre des guides, des polices de l'écologie, entre guillemets, des polices de l'environnement, tout baguette. Donc, tout ça, l'argent, l'impôt nous qui a servi pour payer en l'aumône, hein, monsieur Bouvier, préfet Martinique, monsieur Salibert et puis monsieur Letchimi, nous qu'a constaté que zotka qu'a quitté. Alors, m'en pas qu'a n'ose oser comprendre ni dit que c'est parce que zot est compétent que nous ni déformés sans terre. M'en pas qu'a arrivé comprendre qui m'en est ces autres qui se garant de la politique du foncier, la politique de l'autosuffisance alimentaire, la politique du social matinique. Donc, au fait, zot là qu'a montré peuple là que les nous qu'a sorti à les bancs l'école, l'agriculture matinique, eh ben, seule destination, c'est RSA ou bien chômage. Nous pas qu'à arriver à comprendre ça. Donc, il y a un échec total, disant, mission politique qui au bazot, et nous qu'a, ouais, que ça qui est plus important, c'est ne pas défendre Hervé Pinto. Je ne veux pas signer de motion si c'est pour demander la libération. Alors là, par contre, là, ça a parlé là même, vite, clairement, nous comprendre, c'est bien, nous comprendre, c'est que depuis ni des questions qui a posé quand il y a sous des conflits matiniques, nous avons côté autres qui apprennent aux autres. Bien souvent, c'est du côté de ces mounons qui plient haut et qui a appuyé à sous tête les petits. Donc bon, c'est un appel, mais bon, c'est presque. Pour moi, on a tellement qu'à lancer bas la lune, hein. Jour, vous êtes qu'à élever, pour vous comprendre que l'insatisfaction, peuple n'a pas qu'à résumer sous le fait que vous n'avez pas qu'à comprendre ça, vous êtes qu'à faire. C'est que nous n'avons pas qu'à ouais, ça, vous êtes qu'à faire. Si nous qu'à ouais, nous peut appliquer, nous content, nous d'accord. Problème là, c'est que de plus en plus, personne pas d'accord épisode, les gars. Donc, à un moment donné, il faut que vous réalisez que c'est soit vous êtes qu'à faire un bagage mal, soit vous êtes qu'à jouer en G, qui a fait que ben nous avons trouvé des moments la jol, nous avons trouvé des moments devant le tribunal. Le R, ou télé dit en bagaille. Pendant nous avons parlé de tout ça, moi, je me rends compte que l'idée qui a bouilli en tête. Moi. Mais selon ça, il a montré nous pouvons fonctionner selon moi, il a fonctionné. Ça veut dire que je me pense que jeudi, si moi, je suis en jeune agriculteur sans terre, eh bien, la justice démontre moi que mon père vivait en l'été en monde, hein. Peut-être t'es en monde qui j'ai empoisonné Théa, mais que Théa est ni enceinte, implanté comme moi. Et puis, ma pense que, à la montre, moi qui ai peut-être 25 ans pour m'implanter sans y dire moi là. Je dis ça, je dis rien. C'est ça. Alors, c'est ça qui est arrivé, maman Jean, et puis Missy, mon Jean. Enfin, moi qui ai dit maman Jean, maman, oui, maman Jean. Mon rouge. Véronique, mon Jean, et puis Jean-Claude Vitalien. Et puis Jean, oui, parce que moi qui ai dit Missy, mon Jean. Non, c'est maman Jean, et puis Missy Vitalien. Ou qu'à songer période Tala, nous t'es quand même dans les années 80. 80, oui, début de l'année 80. Donc, ni 40 l'année, ben, t'as à carouler. 85 hectares, c'est vide, mon rouge. Et de moment, il a décidé. Et résultat travail, c'est qu'ici je dis, mon gamin j'ai d'achine matinique comme ça. C'est grâce à you. C'est grâce à travail you fait, valoriser d'achine, produit, transformer, fait farine, plicher pour vous le bâcher. Et je dis, you crée un label d'achine mon rouge à partir de un travail you fait occupation. Et ça traverse le temps. En résistance. Oui, en résistance, parce que faut que nous disions, c'était un combat qui était raide, ou bien dit qui fin gris qui était propriétaire terrien, tu as crasé à Brioni, tu as tout tes bœufs dans le jardin, tu as pété coup de fusil en l'air. Mais nous, tenons en force moment, qui était boire de yo, qui s'est agriculté, qui s'est. Et propriété tracteur qui s'est démonté pour porter un coup de main. Et ça traverse le temps et ça servit, par exemple, jusqu'à temps, la CTM, le conseil régional, est arrivé, prend tête à là, et puis mettez à disposition les moments pour attraper en tranquillité. Parce qu'il faut bien dire, l'instance agricole, la chambre agricole, et puis les autres instances, l'État, bété. Il y a là pour. Ou tu peux dire les goûts pour te permettre les bêtises acheter plus de produits pour faire un bon homme. Glyphosate. Permettre toute qualité de bagaille, prison était là.
Mais l'un des jeunes agriculteurs qui entrent dans des situations de résistance comme ça, situation à Tokyo ni par rapport à autant rédéo en les manières pour transformer, pour développer, il n'y a pas à attraper ça. Hein. Mm-hmm. Il est obligé d'être en résistance pour produire, être en résistance pour empêcher de décaler la production, mais tout être en résistance pour créer des marchés, créer des bacailles. C'est ça, d'ailleurs. Je vais poser une petite question. Parce que moi, je trouvais qu'on va dans la réunion, tout à l'heure, puis si je ne me mets pas là, je trouvais qu'on va dans la réunion, font mon strict, dans le Congo aujourd'hui, là, et puis c'était la deuxième réunion, on n'était pas petit bout, et puis. Qui ça, vous pensez de ça? Et qui ça, vous envie de dire aujourd'hui, à compte tenu des expériences là, on y a? Moi, je restais sans voix. Moi, j'ai un camarade Pascal qui était à côté de moi, Pascal Toubillon, qui était à côté de moi. Moi, j'ai dit, moi, dit restez là, Pascal, pour entendre tout ça qui a dit jusqu'à la fin. Bon, mais qui ça, pour ces envies de ces jeunes mamans, qui a dans le désespoir que j'étais, qui a pensé qu'effectivement, éloigner Koyo de toute bonne politique, de toute machin comme ça, et puis raison ou sans raison, expérience ou vécu, nous pas capable de conseil parce que moi-même moi t'es dans l'incapacité d'y bayo en conseil et Dieu seul sait ça moi qu'a fait à sous l'enfant Congo moi t'es ni 10 000 manières d'y faire autrement moi décidé d'y faire comment qu'a fait et puis Malik et puis en série et puis en collectif nous monter bon alors ça m'a les dit les mots la relaye pour en c'est la relevaille travail en les poids coyo en les conceptions projets yo mais faut pas il faut tout le monde dans le même sac là, dit, et les associations, les ceci, les pardons. Il faut qu'il prenne temps, parce que je suis assuré des associations qui ont gommé pour préserver les terriens, des associations qui ont pris, qui ont 13, qui ont des moments qui ont gommé pour les accompagner les résistants. Il peut tout va appuyer, on laisse les moments. Nous ne pouvons pas finir de nous travailler tous les jours, mais si un jour on est en gros. Un gros coup de force, pour faire, pour venir, pour porter un ballon, et c'est comme ça qu'il peut démarrer. Mais il faut que vous croyez dans ça, vous faites. Il ne faut pas que mettez mettiez en bas pied personne. Parce que plus grosse difficulté qu'il y a, c'est les gens qui sont venus porter d'espoir mal papa. C'est ça. Vous développer, et puis vous faites en couillon. Moi, je ne sais pas, moi, j'étais allé, nous étions en dedans, et la foire agricole, la rivière pilote là, et moi, je suis content, mon yo même qu'a catilé en les des solutions à joindre des monde pour mander yo et zone yanté mettez à disposition nous il m'a dit c'est mon maïta dans la rel qui pour talent mais ça m'a déjà dit par rapport à zafè la CTM là la CTM ni intérêt vie bat 4 li vie bat 4 li passe non seulement faut que yo commence pas mettre terre à disposition les agriculteurs. Mais il faut que vous préservez votre terrain pour les grosses sociétés blanches. Pas sortir en Suisse, en Allemagne, de qui côté, et puis venir acheter pour faire n'importe qui vagabondage. Parce qu'en disant ces bails-là, ils disent que c'est l'ancien patrimoine, conseil général, parce que vous avez payé 4 millions de dépenses pour veiller, pour gardiennage. Et Adam, il y a un bail qui a été fait, Carbeya, là. Espèce de parc là, il était fait car parc aquatique là. Parc aquatique, Aqualand. Aqualand. Il sort du dingue. Donc, a dit, de qui provient que il a fini de nous en côté, il a fait un grand débat sur la question de la terre. Et puis, les yoni, en un concret, il a dit, il a fait, il a réglé le problème là, en certaine manière pour vendre. Ça, utilisation tête à pour rentrer en dans le débat que il a fait. Même si nous pas quoi, question thématique je dis, qui est réglée en disant débat à manière à la CTM qui a proposé. Là. Question thématique qui est réglée en disant un projet général de mise à disposition de la terre pour les mouns qui s'asservent pour planter, pour faire l'élevage, pour faire des bagailles. Et c'est comme ça, nous sommes sortis en disant espèce de situation ici, tout ça nous besoin, il faut que nous importer. Alors que dès là, les moments nous croient, et puis des tout petits moyens, je ne peux pas les dire ça, et puis des tout petits moyens, nous croient arriver à produire des bagailles, alors que si on était sorti dans l'esprit de rien qui aider les gros bêtises, et puis aider la petite paysannerie,
la moyenne paysannerie, de qu'elle fait un pas potable vers l'autosuffisance alimentaire. Très bien. Manik, et alors, puis nous qui boutasse aussi j'étais pour nous passer en l'autre. C'est ça. Pour dire un démon, allez ça, parce que c'est vrai que c'est un sujet qui est particulièrement important. C'est Jeanne Mamaïta à avoir rencontré ou fait un bout de chemin également. Et puis, c'est vrai qu'il y a rencontré un certain nombre de problématiques qu'il y a à terre. Vous savez que pour ces Mamaïta installés comme vous, et pour vous, ni ça, ben, toutes les aides-là qui liées à l'agriculture en soi, il faut qu'il y ait une maîtrise foncière. Sans ça, on ne peut pas nier rien, on ne peut pas faire pièce de développement. Alors, ça vrai qu'il y a une autre méthode en face, qui fait, comme nous avons dit dans les années 81, côté Ténio Chipation Té, mais c'est Maman Ita, effectivement, fait tout bien les fosses. Alors, ça, c'est des débats. Bon, ça vrai que ça peut être en solution également. Donc, d'y prendre et faire de façon. À ni ensuite papier, donc 17 états, hein, donc créer, ça nous a créé une sorte de rapport de force pour dire que, ben voilà, nous c'est des jeunes mamans, nous besoin de pour nous travailler, nous apprenons, et là je dis, il faut que vous régulariser absolument la situation nous pour nous payer ça ni, les aides qu'il faut pour payer ça réaliser en nous. Ça c'est une solution, ça c'est une solution également, il peut faire. Donc faut un coup d'état, en laisse ça, parce que il y a besoin de travail. Ils ont besoin de vivre dignement du travail. Yo. Et c'est la seule manière qu'ils ont trouvé, je dis, parce qu'ils ont dormi dans les situations. Très bien. C'est une situation qui est excessivement grave, ça, on a dit là, depuis demain, on a gardé le pays. Parce que ce n'est pas normal qu'à dans des pays, un pays qu'on a, que nous avons gommé pour justement préserver la terre, pour voir comment nous avons mis la terre qui est disponible pour le peuple matinique manger. Proprement, parce que c'est surtout ça aussi, il ne s'agit pas de refaire les mêmes erreurs du passé, et puis tout problème chlordécone que nous vivons. Mais je dis à peuple matinique, nous avons exigé justement de manger sainement. Je ne crois pas en monde, pas envie de manger sainement, je dis à. Donc il faut que c'est ça aussi, peuple a levé pour dire que c'est ça nous l'est, et que pour faire ça, il faut qu'il y ait disponible pour ces jeunes mamaïtas qui en vivent en plus. Quand vous avez dit, vous n'avez pas venu demander, vous avez le travail. Quand vous avez dit, vous n'avez pas allé printer RSA à chaque fois, vous avez dit, vous allez vivre de l'argent. Alors que ça de plus en plus rare, dit la population agricole ici. Donc, l'unité de Mamaï qui a un tripio en vie, des peuples à manger, je crois qu'il bon, faut que nous organisions comme nous pour l'unité, en tout cas, pour le travail. Très bien. Et nous à disposition pour porter force à eux si ils sentent qu'ils ont besoin en parlant par rapport à ça. Alors, je vais dire dernier bagaille. À ça, on va dire à disposition. Mais en même temps, même si on parle dans la logique là, nous sommes, il y a un délai, il y a un bagaille. Nous d'accord pour nous aider, ça qui paraît pour faire autrement. C'est-à-dire. Et ça, on va dire, réponse-t-on, on va dire aujourd'hui exactement à ce sens-là, les envies, parce que c'est dans la solidarité que nous avons réglé fondamentalement le problème foncier. Merci. Alors, c'est bien, mon cari, merci aux autres, parce que les autres, ouais, ça c'est fausse, les ou grand nom, et puis que vous arrivez au stade de la transmission. Dit problème Hervé Pinto, dit problème Moïse Lumango, de problème de Voltaire, les autres, là même, les autres entrés dans la transmission, et les autres, ils ont songé, mon maï pour demain, et mon maï jodia qui a pris fait. Donc, c'est, moi, je suis admirative de ces gens qui ont des problèmes eux-mêmes, et qui presque en sont à oublier les leurs pour pouvoir parler des problèmes des autres et les mettre à l'honneur. Alors, est-ce que vous autres pouvez rappeler, nous, non association Tala, les formés sans terre? Est-ce que, alors, nous d'ailleurs, si nous avons mal des formés sans terre qui a coûté nous aujourd'hui, peut-être que Pepla et puis des mounes, hein, qui peut-être les mettaient à disposition des privés, hein, parce que nous n'y aussi des privés qui n'y belle mot sauter. Donc, si il n'y a des mamans qui
tant de messages là que ces camarades là-bas ces jeunes formés santé a, et bien zot qui peut crier à sous Zouk TV ou bien zot qui c'est les formés santé, est-ce que zot peut crier nous pour ba nous un numéro de téléphone pour nous annoncer en télé a, pour nous peut faire lien en âge, pour nous faire solidarité, que les têtes, que les épaules, allons tout ça. Alors Alex Granville, nous ca prend 5 minutes pour nous peut rappeler actualité 413 et puis qui combat Zot Kamene et qui combat qui va venir très prochainement. Alors, devant 413, c'est un collectif Montmaï qui se tient dans toute qualité, horizon, syndicat, association, politique, et puis qui décidait, l'ayo est fausse, l'État colonial qui a frappé des militants, depuis les 7 océanistes, depuis des jeunes Montmaï, depuis Kézia, et nous peut dire, en laissant nous comme garder, entre 2019, novembre 2019. Et puis je dis, ils ont mis 60, plus que 70 moments, soit la police convoquée, soit ils mettent en garde à vue, soit ils passent devant le tribunal, soit ils mettent la geôle. Et ils n'ont pas qu'à parler de condamnation financière, puisqu'il y a des moments, donc nous dit les moments, quitter monter Makouba pour Goumé contre les affaires apologie crime contre l'humanité de OMJMT qu'a fait, le condamné à 60 000 euros pour bas Kimoun Bernard Ayot. Pour Bernard Ayot et Von OMJM, il était qu'à mettre des photos des nègres esclavagisés, il était qu'à rouler barrique en l'emmène pour bateau déporté. Et au lieu de ces lits condamnés, ils ont condamné des moumaïs, ils ont poussé l'argent, ils ont condamné à payer 60 000 euros. Et pas comprendre qu'un monsieur n'est pas venu chercher 60 000 euros. Hein. Et Alexo, sans couper parole, pas oublier que ces moments-là, tu as écrit, mandé, dénoncé à ce qu'ils ont arrêté. Enfin, c'est pas état, contrairement à sa peuple, la Kakopon, ils n'ont pas ni levé, ils n'ont ni acheté en bouteille, ils ont gardé ça, ils ont monté JM, ils ont crasé, ils ont mandé avant, fait toute officiellement, démarche officielle. Fait toute démarche qui n'est, puis d'autre côté, ça t'es a fait, qui sont dans des boutiques de l'aéroport, qui sont dans Rome Saint-Pierre de Paz. Et c'est pour te dire, ok, nous pas te savons, nous pas tirer ça. Mais c'est pour montrer l'esprit descendant les esclavagistes qui a persisté aujourd'hui à aller maintenir les emblèmes ben, esclavagistes. Là. Alors, 413 rentre dans le combat et il dit, faut soutenir toutes les moments la justice coloniale qui a frappé laisser un combat militant pour défendre l'intérêt pays que yo ka fait. Et en dedans ça, nous en dedans l'année 2024 là, autant force en permanence ba KJM et puis RV Peto, et nous a dit, ça permet de porter un petit grain d'huile à côté de toutes les autres qui portaient ça qui était faux, pour nous racheter la jola, et puis pour nous, ba force pour continuer le combat, pour arriver à récupérer Tay. Nous portons en force un militant, jeune Moumaï, 20 ans, il va crier Edwin, Longchamp. C'est Bouga dit, puisque des Martiniquais, des Kabou, mais contre les affaires, ils ont prisonné nous et puis que l'on déconne, puisque en langue à Bétier brûlé, il dit, c'est un bon organisé qui brûle la langue abitière. Bon organisé, c'est qui moun? C'est un moun, Edwin, un jeune boum, 20 ans. Qui donc, pour ça, été pour passer la semaine passée, vendredi 19, mettre la garde, il y a une vidéo de ces mounins, puisqu'il est en la garde, il y a une vidéo de ces mounins qui est en la garde. Dans le premier temps, il dit vidéo disparaître. Mais dans le deuxième temps, il fait Edwin Lajol 2 ans. Depuis juin 2021, il vient jusqu'à janvier 2023. En les débats que,
en boucle dit ni en vidéo. Il dit quoi, mais mettez vidéo à vous noyer. Les qui mettent vidéo, les avocats qui commandent des vidéos, qui fait combien de mois ils commandent, ils ont une vidéo 48 heures avant procès. Avant procès vendredi passé. 48 heures avant procès vendredi passé. Et nous avons constaté, c'est en l'habitude du tribunal Tahani. Ce n'est pas la première fois qu'il a fait ça. Les pièces, normalement, il va expliquer toutes les parties pour nous, toutes les mêmes pièces pour procès. Équitable. Pas quand même dit équitable, puisqu'il n'y a jamais équitable dans l'esprit de la justice coloniale. Mais au moins, vous pouvez dire, mon bar tout, mais mon carondano quand même. Eh bien, il n'y a pas de télébat vidéo. Pourquoi il n'y a pas de télébat vidéo? Parce qu'en l'air, ça n'a pas regardé dans la vidéo, pour des bouglages ça. Il n'y a pas de télébat. Il n'y a pas de bouglages, machin, manier. Calme. Et. Ou quoi, et d'une santé qui est c'est ça qui pointe du doigt. Alors, les gens qui ont réalisé, ils ont battu dedans, ils ont fait un cabonnage, ils ont considéré, ils ont fait une vidéo le plus longtemps, et puis les gens qui ont avocat un jour, deux jours avant le procès, ils ont persuadé que c'est avocat qui est parti dedans, et puis ils ont fait même ni temps ça. Qui donc, la semaine passée, vendredi, ils ont renvoyé le procès, parce que c'est avocat qui a demandé en délai pour organiser et préparer des fonctions, il faut qu'il y ait tant de monde. Et ont envoyé à Demé. C'est pour ça que nous avons dit, tous les moments, maintenant, les jeunes qui ont 20 ans, les ça qui ont plusieurs fois 20 ans, il faut que nous portions en force par Edwin. Et c'est pour ça que nous avons besoin de rendez-vous depuis Demé, à 8 heures de votre tribunal, là, pour nous dire, jeune moment, il est un petit mais ça ne peut pas trouver quoi, il peut se prendre à l'argent. Donc, on trouve quoi au cas du baquet pour nourrir, pour élever les choses. Et ce n'est pas seulement maï, puisque là, nous avons parlé, tenu trois maï, en jeune petit maï, collège Belle Étoile Saint-Joseph, tu es harcelé. Combien de temps il y a harcelé? Petit maï là, arrivé au bord du suicide. Et les moments où il est tellement, à d'un week-end, il criait en militant, il criait plein puis au bas, il dit comme monsieur, c'est médiateur, donc il a crié monsieur pour essayer de faire un force dans ça. Et puis, qui donc, plein fait un appel, les militants montaient pour porter en force pour dire la direction collégiale prend des dispositions pour sauver Timon Mela, Timon Mela au bord du suicide. Eh bien, en bout de l'état, il faut dire, plein en garde à vue, il faut dire, Barabine en garde à vue, je mettais Volcan en garde à vue. Et procès qui a passé le 15 mai. Donc nous avons des mains qui c'est 26 avril, Edwin. 15 mai, c'est Volcan, Barabine. Par rapport à Saint-Joseph. Par rapport à Saint-Joseph. Derrière ça, nous avons Kézia. Notre garçon, j'ai Kézia. En juillet 2020, c'est monsieur Tékoazé Kézia. C'est que Jean-Dame était tombé en l'œil, plein de déposés contre Jean-Dame. Jean-Dame disparaît, nous ne pas même savoir ce qui est passé. Et bien, pour ce Kézia, il y a des pays en France, il s'est fait en mois de décembre. Décembre 2024. Mais les plaintes Kézia déposées contre les gendarmes qui battent, qui font l'homme et en vieille, qui courent contre lui, qui font toute calte de méchanceté, ces plaintes-là, il va trouver bien ce côté. Oui, quand elle yo innocenté, enfin yo médaillé Bougla, gendarme là qui tué et Claude Jean-Pierre Guadeloupe, yo voyé en Guyane, yo titré, quand il a ni tout ça qu'il faut. Je dis continue tuer les mondes des armées. C'est ça. Oni aussi O'Neill par côté la Guadeloupe. Nous les portons en force bas O'Neill qui c'est on dit les grands frères Guadeloupe. Yo mettait la jolle depuis janvier 2021. Outil parce que l'homme là qui a travaillé, puis les jeunes qui ont essayé de dire mettez en dedans la chimie douette. Et toute qualité. Janvier 2022, excusez. Oui. Ou pas raconter des machines. Janvier 2022. Et toute manière, je vous ai dit toutes les autres mobiles qui ont mis la jolle. Dernier, il était là, c'est Didier, il l'a dit en janvier, l'an état. Mais O'Neill, en pièce monnaie, il n'a pas là, dit O'Neill, parce qu'il dit O'Neill. Défavorablement intelligent.
Vous êtes trop intelligent pour que vous l'ayez. Parce que vous avez fait, ouais, ça a été, vous savez. Et c'est qu'on est Hervé. Je dis, Hervé, Hervé fou. Soit trop intelligent, soit fou. Mais en tout cas, bon, il faut que nous entrions dans la résistance, il faut que nous portions force par les militants parce que c'est ça qui a échappé. Et donc, mon témoin, 4-13, qui a goûté comme ça, c'est si Monsieur Granville qui arrive à base d'informations précises sur chaque procès qui a venu, c'est parce que c'est des gens qui ont tendance souvent à venir emmerder. Et tout long aller qu'on a dit, nous derrière ces moments-là qui a rencontré ces problèmes la justice là, mais 4-13 qui a participé, qui financièrement, qui physiquement, qui soutient par la famille, qui fait caravane pour aller dénoncer ça, bah tout moment Martinique, qui fait des rencontres oui. À côté Tivoli et qui manière yo peut joindre autres 4-13. Nous avons une page Facebook normalement. Comité 13 janvier 2020, donné un numéro de téléphone. Oui, qui c'est le 06 96 oui. 33 64 32. Et nous avons tourné dans les communes, tout le long allé, et nous avons joint des moments qui ont dit problème yoni. Et nous avons rematché dans le pays, à tous les domaines, toutes les couches sociales ni problème. Et nous avons besoin de les jusqu'à organisation. Pour bailler en confiance et puis bailler en anti-ballon pour démarrer. Et c'est pour ça que nous avons dit les moments qui ont peine de confiance en dedans, les gens qui sont disant élus pour aider, parce que les élus qui vivent en dehors de la société, ils ont fait des affaires, mais à qui ils sont, ils descendent en dedans le peuple pour jouer. Et je vais profiter pour me dire également, et puis nous avons bout à souci, j'étais pour nous passer en les parties Moïse là, pour me dire quand même, hein, Manteca Tchena dit quand même, c'est pas, ben là, bon, là, il bon, nous avons dit, bon, mais c'est en pile 4-13, mais il faut que nous ajoutions un petit bagage quand même. Qui parle à Sopama, qui parle 4-13, qui parle ERPRAC, qui parle collectif Justice Matinique, qui parle côté les résistants, les soignants. C'est toujours les mêmes mamans là qui viennent soutenir. Et souvent, les gens qui soutiennent, une fois qu'ils ont trappé, c'est en réalité, il faut que nous disions, une fois qu'ils ont trappé, aide là, qu'ils arrivent à régler les problèmes pour ça qui arrivent à régler. Bon. Et on veut arriver à régler des problèmes pour les gens, alors que ça a fait 26 ans qu'il y a dans taille là, et il faut qu'on sorte en dedans taille là, que d'autres gens ont sorti en dedans problème yo. Et c'est Mounta nous pas qu'à voir encore, c'est ça, Monsieur Nivant et qu'a dit nous en fois. Donc, mon mais là, c'est Mounan qui a attrapé aide là, qui a douvant qu'on y a dit, et qui a joué du travail des Moun, société Matinichez là, qui vini bailler en soukou. Et bien, laissez yo qui prie, nous commandons des autres, en minimum, d'y virer aussi, bah pas là, bah c'est mon mais là qui pas d'aide, qui a souffert. Alors. Juste que tu peux permettre de dire, puisque oui. Vous parlez de les soignants. Oui. Les six moments les soignants, ils ont licencié. C'est ça. Ils ont licencié des fonctionnaires. Et pour ça, c'est lundi qui a venu à Désé devant le tribunal administratif. Là. Le tribunal administratif, là, c'est pas sous chef mm-hmm. pour la sécurité sociale. Là. Mm-hmm. Donc nous avons demandé les moments pour tes forces là-bas. Tout parce c'est que ça. C'est eux qui échappaient bon petit bon dans la famille nous pendant les affaires de COVID là qui ouvraient des grands mamans nous, des grands papas nous, ils étaient. Et hypocritement, l'État français t'es qu'a dit nous applaudir et les même l'État français a qu'a fouté yo des aujourd'hui. Donc, m'a applaudi l'État français pour le coup. M'a qu'a remercié yo et m'a qu'a espéré que lundi prochain nous qu'a aussi porté manœuvre bayo. M'a ça dit ça c'est yo qu'a fait nous accoucher, c'est nous qu'a soin grand nous, mon handicapé nous, maman et nous. Donc, nous qu'a ni apporté secours aussi par les soignants et nous qu'a salué ces six camarades tala qui qu'a prend fait et nous qu'a ni aussi à mobiliser pour yo. Moïse. Nous a parlé à sous affaire l'enfant Kangoo, mais c'est mon oncle qui a crié nous pour dire nous côté où il est à présent et qui ça qui a passé. Eh bien, nous dans la continuité des combats nous avons mené, hein, parce que c'est un combat que nous avons mené quand même depuis 8 ans contre des mouns qui les particulièrement des propres familles moi qui veulent spolier moi qui les spolier témoins. À son héritage de combien à son héritage de 1000 hectares.
Très bien. Et donc, mon propriétaire, pratiquement la moitié, c'est 1000 hectares là. Mm-hmm. Alors, ça, moi, je l'ai dit, surtout, c'est effectivement, nous qu'à continuer le combat, et qu'effectivement, nous qu'à organiser comme nous, jeudi jour, pour nous prendre, effectivement, direction société, hein, tout simplement. Alors, nous avons et puis les experts comptables, nous avons et puis les comptables, nous avons bon, puisqu'effectivement, Mouna qui était fait coup d'État sous société a décidé de jeter l'éponge. Alors, nous avons rappelé, nous avons remis en contexte rapidement la même, donc, M. Lumango, par les autres, dit 1000 hectares, donc nous avons créé ça dans l'indivision, mm-hmm. et puis Famili, li, il pour ni la moitié 1000 hectares, donc 500 hectares, et dans le même temps, il n'y en SCEA, sans société dans le domaine agricole qui a créé, et dit que Mouna qui a créé là, c'est précisément même Mountala qui a fait dossier pour Milon, Sainte-Anne, rentrer en les CTA pour faire Milon, tout ça sans l'autorisation. Semble de manière collégiale, tout le monde est d'accord pour faire bagaille là. Alors, jeudi jour, effectivement, ça nous constatait, c'est que Malik, et puis pratique, et agronome l'IA, et à ce modèle, manière qu'a cultivé terre, et puis Moïse, il a décidé, il faut qu'il rentre en négociation, et puis les meloniers, puisque les meloniers, à cause dit cousin qui a la tête société familiale là, eh bien, il a autorisé des melons plantés à sous. T'es est-il que Moïse, tes années en activité en l'air, même si son activité quitter un terrain sans faire rien en l'air, c'est aussi en très bonne activité. Hein. Bon. Mm-hmm. Donc, en tout cas, t'es été qu'à servir pour bas bœuf manger, notamment, à sous des terres qui étaient 500 chlordécone. Donc, jeudi jour, qui ça qui a passé? Jeudi jour, Zotni en a fait devant la justice pour affaires, yo prend. Yo s'est dit toute l'argent dit dans société à 100 ou pas ouais en centimadan premièrement, deuxièmement nous ni le fait que inimilon yo planté à sous terre de manière tout à fait déraisonnée puis pesticides manqua s'y poser et puis des intrants qui ca pollué terre et jeudi jour zot en négociation et puis les miloniers qui ça qui ca passé puis aujourd'hui a alors on dit qu'avant me laisser la parole alors pour c'est pas une question. Une société SCCA, c'est bœuf et café. Mm-hmm. C'est bœuf et café. Décès papa, moi, il tenait à peu près 600 têtes bœuf. C'est SCA. Alors, c'est ça, avant de côté au café Milan, c'est l'air de café, effectivement, balle, bah, ces bœufs-là, pour y mm-hmm. manger, pour boire. Et qui, ça a quitté qu'à diminuer coût achat d'autres qui entrent dans l'élevage des animaux. C'est ça. Alors, moi, arrivé un jour, mon kawaii au point. En centaines d'hectares, grosso modo. Centaines d'hectares. Centaines d'hectares. Sans effet. Et puis, au cas en société melonnière, en holding melonnière, pour planter Milon. Alors, moi, je dis, mais ça, ça y est, ça. Moi, j'ai découvert ça comme par hasard. Je suis sur une quarantaine, une cinquantaine d'hectares, en premier lieu. Alors, moi, j'ai pris, comme les affaires d'héritage, on parlait revenir à ce que mm-hmm. c'est. Nous arrivons là, mais bon. C'est vrai que le peuple a demandé, je dis, est-ce que Milon qui continue à faire à ce que héritage, Missy Lumango, qui ça qui prévoit à sous-affaire le fait que Milon qui a mis des pesticides dans Milon. Mais comme il y a sous-terre, c'est où qui mettent terre, nous en direction qui c'est le respect de la terre, qu'on ne peut pas vous dire là, qui ça, il y a 10 autres jeudi, dans les négociations que les autres n'y aient eh qui m'en est autres avancé, puisque Peplaz a connaître historique là. D'accord, celui. D'accord. Mm-hmm. Bon, allez, Bandic. Oui, ben, en les problèmes agricoles, nous, toujours très clair en l'essa. Hein, Moïse, très clair en l'essa, en tant que propriété. En bête, ce qui est important, c'est que nous ne parlions ni pesticides ni engrais chimiques en terre. Ça, c'est un bête qui est clair et qui n'est pas négociable en soi. Très bien. Donc, à partir du bête, nous n'avons ni des discussions et puis, pour dire, nous ne sommes pas contre melon en soi, ou pas contre fouille en soi, mais nous contre les pratiques culturelles que nous avons depuis 1989 qui n'ont pas arrêté dépôt sur les terres. Et au-delà donc du terre, alentour donc toutes ces surfaces là que yoka produit a il y a les temps des salines que nous connaissons mm-hmm. fausses culturellement parlant etc et puis tout ça les salines tapotées donc je dis à point à
pas négociable. Donc très ça, bien. C'est un bail. Mais il y a essayé de négocier, mon cas. Évidemment, parce que il y a essayé de négocier, parce que bon, voilà, il y a pas d'eau, compte tenu des maladies tropicales. Il y a quand les mettait noir dans l'eau à faire. C'est qu'on lui dit. Exactement. Qu'on lui dit que l'agriculture biologique dans le temps pas été possible, etc. Donc, mais nous pas rentrer en ça. Je dis là, nous pas croire que nous n'y suffisamment recul en laissant techniquement parlant pour dire que ça possible et que nous parler d'autres agriculteurs qui en agriculture propre bah pep nous bah chamaï nous donc et ça c'est accepté? En premier bail alors nous on est en négociation entre guillemets nous pas en négociation sur les en les têtes comme Wisni ça c'est si on les continue faire melon faut que ça dans cadre là très bien premièrement si on les continue faire melon il faut que c'est aussi dans le cadre de diversification. Parce que nous, les cassés modèles monoculture là, qui a roulé depuis l'année et puis l'année, et que nous savons qui est très néfaste en soi. Qui en bio, qui pas en bio, monoculture, modèle en soi, néfaste, bah le paysage, bah l'environnement, et nous savons ça capoter. Donc, les questions que nous mettons à l'étable là, c'est la question de la diversification, déjà, hein. Parce que c'est plus la diversification que nous qui allons vers ça nous a créé la souveraineté alimentaire. Ce n'est pas Milan nous qui le peuple à manger toute la sainte journée, mais c'est la diversité qui a l'entouré là aussi. Donc nous avons prôné profondément ça, diversité, parce que ça a un impact écologique important, parce que ça, pour le paysage là, c'est important, et puis surtout, c'est important pour nourrir le peuple là. Donc c'est des points essentiels que nous okay. nous avons marché. Après, les restants, c'est des détails, mm-hmm. détails techniques en les affaires de l'eau, en les comment nous avons organisé les choses. Mais à partir du moment que nous avons accepté ces conditions, nous avons pu envisager donc, d'autres discussions en les fonctionnements que nous avons pris. Alors, moi, je m'en ai dit en bagaille sur ça aussi. C'est bien qu'on ça nous observer qu'est la partie civile de l'affaire Pinto, donc les receleurs de clouettes. M'en peut dire autre que laisse mon t'est arrivé les bon matin, il était très arrogant, très méprisant, très qu'a fouté Hervé à la fête, très qu'a metté sur les réseaux sociaux place ici la jolle, faut pas misser sortir la jolle et compagnie. Et nous avons mépris à effacer quoi au fur et à mesure des Fidji au point que yon de a fausse ses avocats germaniens et puis mon tout cas te kabayo des éléments factuels qui a démontré que c'est mon ante sa va voyo te acheter que la tenir en problème te tout arrogance fini disparate. Est-ce que arrogance et puis mépris sorti à sous ces montants-là, quand elle y a été méprisé ou l'air ou aller tout seul, dit yo, moli, si y a cette témoin, pas fait ça. Je me rappelle simplement en bagaille. Les premiers contacts, les mots SMS ont commencé à bouer en partie du témoin, c'est-à-dire que le conflit a été existé hein, entre moi et dans la succession. Alors, m'envoie un courrier, c'est méchant, il a été écrit, il m'a dit, mais pourquoi tu as bouer là? Je me suis dit, moi, qui m'en ouille? Il a reçu les trois commandés. Hein? Je dis, moi, c'est quand les gendarmes arrivent, ils disent, moi, comme ça, à ce témoin, bon, vous comprenez ça bien, comment on peut dire, pour remettre votre titre de propriété, alors que le titre est affiché, pas des noms. Et puis, effectivement, toutes ces gens-là qui là, ils ont touché le RSA, mais qui sont capables de sauter à là, mais dégager, quoi. Bon, c'est un petit peu ça. Des voleurs de melon. Melon, pourquoi tu n'es jamais planté à sauter. Alors, et bon, ils ont rectifié, la presse rectifié, ils préfèrent rectifier grâce à Oud qui fait toute une série de démarches pour te reconnaître quand même qu'ils ont menti. Et puis, bon, voilà, les lettres recommandées à Baboula, Baboula a écrit moi ça. Par contre, c'est moi qui fais un OPA sous société, parce que ce qu'il faut dire, c'est que la terre est louée. Et à peu près 600 hectares de terre sous fond moustique et caritan, les deux habitations, louées par société pour l'élevage là. Et puis une des parties n'était qu'à faire zèbre, d'autres parties effectivement, qui étaient des parcages pour. Si c'est embête quand même, fallait au nicoté pour mettre, hein, c'est pas. Et que nous spécialisés, et l'ivage noir, c'est un livage de naisseurs, nous spécialisés, nous avons pratiquement toute Martinique, des, et puis l'aide bien entendu des autorités agricoles, des espèces pour des espèces pour yo faire développement, à d'un propre élevage. Alors, il dit comme ça qu'effectivement, je ne vais pas vous dire que je dit comme ça. C'est M. Dieu qui ne va pas connaître moi. Mais au moins, vous connaissez moi. Au moins, vous connaissez moi. Monsieur,
Monsieur dit comme ça, que monsieur pas qu'à prendre pièce lettre recommandée. Il a reviré, c'est-à-dire que bon, c'est une négligence totale, c'est un mépris total, c'est une spoliation totale, dit Sakitama. Voilà. Et puis juste je dis, bon, jusqu'au jour effectivement, et puis toute action nous menait, toute action nous développait, toute action peut-être annexe et connexe, hein, bon, mm-hmm. qu'elle nous amenait sur le terrain, bon, monsieur décidait d'y partir. Bon, maintenant, c'est pas parce qu'il partit les affaires réglées, parce que pendant 8 ans, il y a gérance qui fait la société. Il faut que les experts comptables baillent des notes, hein, des rendus financiers pour nous payer ça, parce que nous ne pouvons pas prendre nos plis pour y te dire, achète un sac. Vous comprenez? Mais ce qui est certain, c'est que nous allons aller à sous la prise de responsabilité ouais. du point de vue de la CIA. Mais le combat ne fait que commencer, hein, parce que après il faut aller avec les techniciens combaliques et puis pour d'autres monde, garder comment il y a nous mettez comme nous de la diversification. C'est ça. Mais on ouais. est quand même question, c'est-à-dire rapport là que c'est maman et l'ami. Oui, nous peut dire que rapport là changé. Mais rapport là changé surtout parce qu'il y a un vrai rapport de force aussi mm-hmm. des. Et c'est pour ça qu'il faut que nous maintiennent c'est surtout ça. La pression. La beauté parce de la que sans ça, Moïse, c'est vrai que si maman est là, tu es qu'elle est qu'il fait tout net. Qu'il fait tout net. C'est parce qu'il était en vraie mobilisation donc, de toutes ces mamans là, de ça, qui créent un rapport de force. Et puis nous, 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 pas capés de la règle, parce que nous savons l'importance action que nous amenons. Donc au-delà du théâtre, que nous avons là. Mais nous, dans le cadre aussi d'OGS qui a roulé là, parce que c'est ça, il faut que ces là bien comprendre en opération grand site, que oui, il n'y était Moïse, mais ni le restant était et que le peuple là, je dis, nous ne pouvons pas accepter ça qui fait ça. Encore une année de l'année. Et c'est ça. Et là, nous lui dit très clairement tout ça qui a dans le fameux comité de pilotage là, que oui, effectivement, il y a quand même un bail là, une idée, lui, ni etc. de Mamay, mais nous sommes très, très, très véatifs en les manières et décisions que nous prenons, notamment les types d'agriculture polluante qui a roulé depuis trop longtemps. Et donc, ça, c'est un bail que nous les disons, que nous attendons, que nous continuons de dire. Et d'ailleurs, nous attendons la main pour dire, nous avons l'occasion d'y changer l'image, d'y changer en manière de dire les choses. Alors, nous ne sommes pas couillons non plus, hein. Nous savons que nous ne sommes pas nous, en tout cas. Mais nous avons tient la règle là, c'est ça nous l'a dit. Très bien. Sous la résistance, moi, j'ai dit, est-ce que nous n'avons pas un téléphone pour nous prendre au moins un appel, Grégory? Nous pas ni personne. Nous pas ni personne. Ça m'a été dit à sous affaires nous véatifs. Mais c'est pas nous seulement qui véatifs. Il y a aujourd'hui en association, il y a quoi crier Sauver la vie, Saline, qui finit de monter. Ou bien placé en tant que coprésidente pour bailler. M'a pas dit que à sous donc mon cari merci ces moments là dit non mais moi coprésidente du collectif association Sauver la vie Saline nous ici voit autorisation en tant qu'association d'y exister et nous peut dire autres que en tout cas moi consciente que c'est la résistance qui cap permet de avancer en dit dans la lutte faut pas nous jamais arrêter lutte qui s'y soit obstacle là qui est venu présenter en pio. Si ou tout seul, semblé moun, nous kèy jambé ensemble. Maman, 4-13 pédou, que c'est la résistance et puis la lutte à bas la peur qui a fait avancer. Et en prac, kèy dou même belle, si ou paix, pas paix, dépaix, mettez corps du bout ou qu'à résister, si il y en injustice, nous devons. Malik a montré nous qu'il y a résilience et puis la nati, ou qu'à exploiter, ou sans exploitant agricole dans des zones qui peuvent être sévèrement secs, puisque c'est Saint-Anouillé, ou qu'à arriver, faire résilience et puis, si ni trop la pluie, si ni trop de l'eau, qu'à arriver, ou en résistance permanente et puis la terre. Quant à vous, Moïse, ou en résistance à sous tes papas, et ou qu'à faire toute bagaille pour. Nous, pour pétraper gain cause. Et dans toute baguette là, nous ni peuple là, en permanence, soit qui a soutenu Moïse, soit qui a montré que Malik a fait un travail qui sain, nous qui a Malik. Ou ni le R, téléphone nous, blé pal blé foncé, Alex, téléphone zot, blé pal blé foncé. Mais celle-là, nous qui a songé,
c'est que l'insatisfaction qui a grandi au fur et à mesure qu'il s'y soit secteur activité qui n'y en pays a, mais autre qui toujours joignent nous, monde qui allons tout table pour porter manœuvre ou dit et puis les frères, les camarades de santé, ou Zaka Songeyo, peut-être autre qui n'y a fait un travail et puis yo, le R, dépisser en injustice ou qu'a mobilisé, ou dépisser à faire devant la justice colonialiste, la répression, nous adam. Donc, moi, quand même, des mots de conclusion, puisque, moi, pas ça, moi, quand les limites à Cali, même, moi, pas ça, si nous, n'y avons nos téléphones. Mais, en tout cas, allô, oui, bien, bonsoir. Oui, bien, bonsoir. 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 Moi, j'ai parlé, oui, alors, si, alors, on y 15 secondes pour nous parler. Nous, qu'a coûté, où c'est qui, moun? Merci, Marc. Marthe, bien bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, tout le monde. Nous écoutons. Bonsoir. Ah, Marthe, bon Dieu, Marthe, ça plairait. Marthe, ça plairait. Marthe, ça fait. Eh bien, mi ou Hervé, pas là au soir, mais nous quittons au bas Hervé Antifos et puis pour pédir nous rapidement. Mais c'est bon. Moi, Parce qu'il y a un gros bagage demain. Ah, Edwin demain, oui. Ouais. Toujours même, c'est grand monde qui a songé jeunesse là, toujours. Il y a un taillot, mais Marthe, oui. Après, on prend toute tristesse sous bas, Peto, après, on vous changez, Peto, oui, dehors, après, on va rejeter ya sous Edwin. Moi, oui. Les mots sont mon weapon pour sortir. Yo oui, éclaté, yo de dimanche mini folle. Pas ni problème, Marthe. Ma carie, mais c'est un pile comme oui, émission à presse bout. Belle émission. Ça va pour vous, moi, quand j'ai écrit, là. Ah, très bien. Bon, belle beau. En tout cas, belle beau. À bientôt, Marthe. À très bientôt. Belle beau, Marthe. N'importe qui côté, là, on est. Belle beau, Marthe. Pas ni problème. À bientôt, Marthe. C'est un sacré beau. Papa, c'est nous. Non, moi, là. Ma carie, veillez, Ma carie, veillez. Hein? Ousoukap. Non, moi la mort. Ousoukap. Oui, on va faire, voilà, exactement. Moi la discrètement. Voilà. Pas ni problème, Marthe. Nous carrément, c'est en pile. Pas ni problème. Bon bisous, Marthe. Pas ni problème. À bientôt, Marthe. À très bientôt. Merci en pile. Moi, je pense que c'était peut-être dernier appel là, Grégory. Alors, maman, il manquait mon tes autres. Ignomoun. Bien, bonsoir. Très bien. Eh bien, nous avons dit ce moment-là, merci. Nous avons pour prendre ces appels à Tibouin plus bonnet, mais ça qui est talent et puis émission Le Air Prac et Pizouk TV Café, c'est que ça pour talent que nous basons avancer en dit dans ces dossiers. Donc, bien souvent, ces appels de soutien, autres, les bas, nous avons remercié les autres. Moi, quoi, peut-être, moi, qui ai proposé en émission, M. Emmanuel Garnier, et tu sais rien qui téléphone nous apprend. Parce que, nous avons obligé de faire parce que les autres, besoin de parler, nous savent ça, mais nous besoin de porter information bas autres. Donc, en tout cas, moi, qui ai présenté, effectivement, moi, qui ai dit Emmanuel Garnier, il faut une mission spéciale téléphone pour nous payer coûter les autres parce que moi savent que les autres n'y ont pile soutien à porter. Moi qui pensais que soit les autres télépoter soutien bas Hervé, mais Hervé savent que nous l'a épi. Moi qui demande des autres, en petit mot conclusion, qui ça qui attend nous prochainement? Qui donc? Eh par rapport à Saoudi, nous. Qui ça qui attend nous prochainement? C'est-à-dire, nous qui pensons que fallait nous organiser comme nous, continuer à organiser comme nous. Continuer, venir garder qui ça, bon, puisque nous n'y d'autres barrières sur le terrain,
comment nous que nous pouvons oui nous ni comment nous a prend pas ta place mais nous pouvons comment nous et puis chercher des fallait nous pas oublier non plus et faire un petit peu de la convivialité puis c'est maman là qui est venu porter nous coup de main mais combat a continué et d'ici le 15 mai moi qui pensais que nous qui déjà dans d'autres dispositions statutaires par rapport à la société Odd moi qui apprend un mot ici à pour moi venir faire le compte et puis public pas de problème nous qui attendons les bras grands ouverts Malik oui c'est ça hein. Moïse dit Tibouin donc faut que nous organiser comme nous donc déjà puisque Moïse qui prend prise société A donc ouais comment nous qui fait la démonstration également que ça possible d'y faire agroécologie en pays. Présenter le projet. Donc présenter le projet. Donc un projet qui cassemble nous, qui cassemble peuple là et qui allait dans le sens souveraineté alimentaire parce que c'est ça qui toujours porte nous, c'est simplement. Ça. Donc voilà, donc c'est en laisse ça. Vous avez dit fin mai, début juin, nous avons pris rendez-vous épisode pour nous continuer. Donc, maman l'a bien écouté. Entre le 15 mai et le 1er juin, nous avons dit Moïse et puis Malik qui ont avancé à son négociation, qui ont repris la SCEA. Que cousin ont décidé la dit après que pendant 8 ans, bref. Donc, nous avons viré en laisse ça et nous avons souhaité que nous avons là aussi, nous avons ouvert le téléphone dans Tibouin plus pour ces mounants. D'ailleurs, peut-être nous avons invité les formés sans terre à venir aussi parler. Peut-être que nous avons intégré dans le projet Jot et ça a été pour talent dit ouais, qu'il y a une transmission qu'a fait Moïse. Mm-hmm. Malik et puis Malik les formés sans terre. Maman est belle, elle a 40 ans, mais c'est con, pied bois, elle a 40 ans pour y pousser. Le R en prac, activité. Donc là, nous finissons sorti en bas soutien. Oui, là, Pinto, nous sortons en bas soutien bientôt, mais nous avons d'autres combats qui ont commencé. Ça nous a mis un trois petits points entre parenthèses, mais nous là toujours. Mais au soir, elle a tout fait. Nous avons Yannick pour nous soutenir. Nous Yannick pour nous soutenir, puisque. Puisque Yannick a fait partie de l'État qui était là le premier jour. Donc, bon, l'échauffement est fait pour Pinto. C'est ça. Donc, Nini Proust est venu, Nini Edwin demain. Je me rappelle, Alex dit tout ça. Mais moi, je suis allé rapide dans les Amangadia. Je suis remercier tout ça qui va nous en force de près comme de loin. Vous pouvez parler de Madame Lanyé. Il y a des gens qui mènent un flou de nous. Puisque nous mènent pas de bleu, nous mènent un point champignon. Il y a madame qui mène un pain de nous, qui mène tout ça qui était fou pour te faire sandwich. Je viens spontanément, hein, c'est pas rien de demander. Je viens spontanément parce que je suis là et puis nous, c'était moyen de montrer nous que je suis là et puis nous. Donc, je remercie tout le monde, même ça qui est timide, qui dit que je suis à force. Je remercie vous. Je remercie les Dokea. Parce que nous savons que par au lieu ni un point en pays, nous pas qu'un menti bas qu'on nous quoi remercier pour ça, nous quoi remercier tout ça qui mobilisé. Et puis, Makay comme d'habitude toujours passer un message à la justice, puisque Ousoya en fois de plus, enfin je dis ya en fois de trop, il y a un moment qui a pleuré puisque il y a un jeune qui perd la vie, il y a un petit maman qui sans papa. Makay m'a dit Bouvier et puis Clarissa ont démobilisé Tibouin. Effectif là, ils mettent les militants qui ont peuple là. Et puis, commencer à prendre ampleur, vrai travail là, ils ont fait peuple là, sécuriser peuple là. C'est ça. C'est ça, je vous dis, ils fait. Prendre conscience, dit vrai poste là, ils ont. Parce que pour l'instant, à miser quand ils ont traqué et les puis militants. Oppressé les militants, c'est pas ça, ils ont fait. Encore moins, c'est puis l'argent, le peuple. Respectez mon kagoumé bas le peuple. Prends exemple bas kagoumé le peuple et bas le peuple sécurité parce que nous n'y des moments qu'à plaire, nous n'y des femmes qu'à plaire, nous n'y des petits moments parce que nous t'es la génération. En tout cas, dis ça mon matin, nous t'es la génération. Mon père et ma mère sont divorcés, mais les générations qu'à venir là, c'est les générations on a tué mon papa. Ah ouais. Donc ma maman de prend conscience de ça. Ma kaba en belle force bas maman et puis famille, mon équipe de la vie au soir. Et puis, nous allons continuer le combat, nous pas à la djinn, nous là, nous pas à des mondes, nous redemandons dans les. Très bien, donc nous allons rappeler aux autres que nous autres peuvent suivre l'activité le AirPrac sous TikTok AirPrac et puis le R972. Et puis bien Gladys évidemment, aussi. Gladys, c'est ça, c'est exactement Gladys ça que je vais vous aider. Nous allons saluer Gladys Roger et puis Melowan, qui c'est des autres madames qui ont dit dans AirPrac là. Nous avons 4 cas fonctionné et nous allons rappeler que, qui si soit ça qui est passé, continuez à crier le R qui a crié nous avons fait des réunions et puis nous allons jouer pour nous aller plus loin
à danser si j'étais là, Monsieur Granville? Eh bien, on a un pile plaisir de trouver comme moi dans les plateaux de Osoya parce que nous sommes dans la relle. Nous avons trouvé comme nous à côté de l'aéroport qui était dans l'autre la relle, à côté de Momaï qui était la relle souveraineté alimentaire là. Et ça permet de dire les Momaï Martinique. Momaï là, l'espoir pas mort. C'est ça. L'espoir qu'a vivre, l'espoir qu'a permet de nous gagner des combats. Qui donc, qui si soit problème, toujours ni possibilité, coller à côté en association pour basot en ballon. Et puis, c'est les nous qui fédérer tous les combats. Nous ni, nous qui gagner combat fondamental là qui c'est libérer le peuple matinique là de toute domination l'État colonial français. Merci, vous êtes venu permettre nous passer message à la Merci, merci en pile. Et nous rappelons autres que le comité soutient la famille Gouip à côté de Sainte-Marie. Prends contact et puis nous rappelons autres jeudi, dès mai qui a venu. Nous avons eu bas autres résultats sur tous les procès qui ont fait enfin semaine et puis semaine prochaine. Et puis la famille Gouip, Manserillon, nous attendons autres pour nous continuer à parler de ça qui a fait en pays. Il y a toute profitation qui a fait en nous et qui manière nous a battu pour nous. Et menez-y au plus devant pour nous arrêter ces injustices coloniales talent dit dans Martinique là. C'était Libre Antenne. Merci Grégory, merci Emmanuel, merci Manuela. Nous allons dire à bientôt, nous allons continuer le combat en attendant. À bientôt. À bientôt, merci. À bientôt, merci.